Bonjour Bruno Domet. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les grands rendez-vous médiatiques. Et hier après-midi, vous avez donc suivi sur TF1 la finale des championnats du monde de handball féminin. Finale qui opposait la France et la Norvège. Et vous avez découvert le job le plus ingrat de la télévision. Oh là là, ouais. Commentateur sportif, Philippe, quelle tannée, hein. Et plus précisément, commentatrice de finale de match de hand. Carrière. Plus que l'équipe de France, c'est l'ancienne joueuse Nojila Lem, je vais y arriver, Miaro, qui officiait au poste de consultante pour TF1, qui a passé un très mauvais moment. Du reste, à croire qu'elle souhaitait vraiment que nous parlions d'elle ici ce matin, elle a attiré mon attention très directement en n'hésitant pas à citer sur TF1 le titre de cette rubrique. Là, il y a eu télescopage. Il y a eu télescopage entre... Ah là là. Alors, message reçu, 5 sur 5, cher Noji Alem, je vais y arriver. Merci de vous être subtilement signalé à nous. Car du télescopage, c'est vrai, il y en eut surtout entre les commentaires des demi-temps à la physionomie diamétralement différente. Je vous raconte. En première période, les handballeuses françaises ont déroulé une partition incroyable. Bien joué, magnifique. Enchaînant but sur but. Oh, il est beau, tout en finesse. Quel but. Tout passe. Exploit technique sur réussite individuelle. Oh, magnifique. Magnifique. Faut pas. Magnifique cette passe. Au point que si, sur le terrain, les Norvégiennes ne parvenaient plus à arrêter les handballeuses françaises, sur TF1, c'est l'enthousiasme de la consultante qu'on ne pouvait plus endiguer. Allez, tu peux y aller, Estelle. Oui. Zemiko, la récupération est jusqu'au bout. Elle était à fond et devant l'ampleur du score souligné par Grégoire Margoton. Et ça fait 14-8, plus 6. Incroyable. Elle ne put s'empêcher, malgré les appels à la prudence de son petit camarade de micro, de se livrer à un pronostic aussi catégorique qu'audacieux. Si elle continue comme ça, je vois pas trop comment la Norvège peut réussir à... Si elle continue comme ça, parce que là pour l'instant elle est vraiment en difficulté dans les recherches de solutions. Voilà. Car au retour des vestiaires, Philippe, après un bref cri de guerre des Norvégiennes qui nous a bien foutu les chocottes... Le cours du jeu s'est totalement inversé. Ah, c'est pas possible ! Eh ben si, c'est possible. Mais non ! Si, les Norvégiennes sont revenues au score. Là, il y a tout à refaire, Grégoire. Il y a tout à refaire. Puis elles ont dominé, dépassé et finalement largement distancé les Françaises dont la machine s'est brusquement enrayée. Il n'y a plus rien qui rentre. Mais comme un malheur n'arrive jamais seul, la machine à commenter s'est elle aussi mise à sérieusement dysfonctionner. 36e minute, pénalty pour la Norvège, la consultante de TF1 nous met en garde. Alors Nora Mark qui est la tireuse de pénalty des Norvégiennes et qui a tendance à beaucoup tirer en bas. Attention, la tireuse va tirer à ras de terre. Ok, vérification. Et la lucarne. C'était une pleine lucarne. Raté, la lucarne, vous le savez, Philippe, c'est en haut. Mais c'est tout en haut. Le pompon, ce fut la toute fin du match. La consultante de TF1 a cherché des excuses aux malheureuses joueuses françaises. On a eu quand même la poule la plus difficile. Oui. Et tous les matchs ont été ont dû être gérés de manière assez intense, contrairement à la poule de la Norvège. Hein. Et c'est ainsi qu'elle s'est mise à invoquer leur fraîcheur physique. Elles sont fatiguées, nos joueuses. Elles sont fatiguées, nos bleus. Oublions que 60 minutes plus tôt, alors que Grégoire Margoton la questionnait sur le même sujet. Ça a été particulièrement compliqué il y a deux jours contre le Danemark. Sont-elles remises mentalement, physiquement de cette épreuve terrible qu'elles ont vécue avant-hier ? Elle avait commis l'imprudence de le rassurer et nous avec. Elles se sont remises de ce match-là parce qu'elles-mêmes se sont surprises. Hein. Elles nous l'ont dit, elles me l'ont dit. Eh oui, hier après-midi, Philippe, TF1 a découvert la boussole qui indique le sud, mais également la glorieuse incertitude du sport, ça peut être cruel, y compris pour les commentateurs. Mais pas pour la chaîne Bruno Donnet. Très bon score du handball hier sur TF1. 3,4 millions de spectateurs, téléspectateurs devant le poste. 26,2% de part d'audience. C'était très, très bon.